Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Passion Sport, un nouveau vlog. Aujourd'hui on va voir France et Uruguay. On avait vu France Nouvelle-Zélande la semaine dernière, c'était incroyable. Aujourd'hui c'est un tout autre match que l'Uruguay, la 17e nation mondiale et la France est 3e. L'ambiance commence à monter. Tout à l'heure on s'est baladé autour du stade Pierre-Mauroy, je vous laisse avec les images. Avec deux supporters de l'équipe de France, les gars, c'est quoi votre pronostic pour ce soir? Moi j'espère une grosse victoire de l'équipe de France, beaucoup de points et un petit bonus offensif en prime. Et selon toi, quel joueur va briller ce soir? Franchement, j'en attends beaucoup du retour d'Anthony Gelon. Après sa longue blessure, forcément. Capitaine ce soir en plus. J'espère qu'il va faire un gros match. Ça marche. Les gars, bon match. Le match a l'air de commencer. Pour rappel, l'équipe de France a fait tourner sur ce match. On a quand même une très très grosse équipe. Le retour d'Anthony Gelon est à noter après une immense blessure. En plus, il est capitaine. On aura une salière composée de Lucio Aston. Donc, hâte de voir ça. Je vous laisse avec les images du protocole. C'est la mi-temps au stade Pierre-Mauroy, la France mène 13 à 5 contre l'Uruguay, une vaillante équipe de l'Uruguay qui pose beaucoup de problèmes à l'équipe de France. On avait beaucoup de problèmes notamment au niveau de la justesse et de la précision, beaucoup de problèmes aussi au niveau des mauls pour l'équipe de France. On attend une deuxième mi-temps bien meilleure, je vous laisse avec les images.
C'est la fin du match, victoire de l'équipe de France 27 à 12 contre l'Uruguay, une Uruguay qui a été très vaillante pendant tout le match. Beaucoup de pénalités concédées et d'erreurs faites par l'équipe de France, ça va faire beaucoup mieux lors des prochains matchs. En tout cas, on aura vu le premier essai en Coupe du Monde de Louis Bielvieret, qui est le plus jeune joueur de l'équipe de France à avoir débuté en Coupe du Monde. N'hésitez pas à vous abonner, c'est super important pour la chaîne, et c'est gratuit, likez la vidéo aussi et commentez. On se retrouve très bientôt sur Passion Sport, c'était Charles pour Passion Sport.